Cette vidéo spéciale à votre demande pour savoir quelle différence il y a entre tous les jambons. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des jambons. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Un des produits les plus consommés en France. Et quand vous arrivez devant le rayon des jambons, waouh, c'est très compliqué. Entre le jambon tradition, le jambon sans sel, le jambon supérieur, le jambon sans nitrite et sans nitrate. Ça, je vous en parle dans très très peu de temps. Donc, comment faire la différence avec le jambon de dinde, le jambon de volaille, etc., etc. La recette traditionnelle du jambon, ça vient d'une cuisse de porc. Cette cuisse de porc, elle a été cuite dans un bouillon. Quand c'est bien fait, c'est un bouillon avec des tas d'herbes, c'est aromatisé. Et puis ensuite, on la met dans de la saumure pour le laisser se dessécher, et de temps en temps on peut le fumer, on le verra tout à l'heure, et on arrive à un produit qui est un produit relativement maigre. La même valeur pour tous les jambons, on est à 118 calories pour 100 grammes, avec pour matière grasse 3 grammes de matière grasse et en protéines 22 grammes. C'est les deux caractéristiques qui nous intéressent pour les jambons, la quantité de protéines, la quantité de matière grasse. Mais à mon avis, on va retrouver pareil dans tous les jambons. La caractéristique de celui-ci qui vaut 1,57 €, c'est qu'il y a marqué 25% de sel en moins. Il y a des modes en nutrition comme dans le reste. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a toujours eu la mode un peu du sans sel, il y a la mode du sans sucre. En ce moment, c'est la mode du sans conservateur, sans additif. Et maintenant, du sans nitrite, ça arrive, je vous explique. Le but du jeu, c'est de vous dire, c'est un produit qui contient moins de sel. Bon, la quantité de sel ici, elle est de 1,4 g. Ça veut dire que la réduction, elle a été probablement, on est passé de 1,8 g à 1,4 g. Est-ce que c'est vraiment significatif? Si vous êtes super prudent, si vous avez une insuffisance rénale, une hypertension artérielle, peut-être, mais c'est vraiment une réduction assez modeste. J'ai regardé la couleur ici, vous voyez, vous le regardez, sans couenne, ça veut dire sans matière grasse. Bon, il a un rose très mignon. Il n'y a pas d'autre allégation que le moins 25% de sel, contrairement aux autres. On lui a donné un Nutri-Score B, comme à l'habitude avec mes amis que j'aime pas du tout de Nutri-Score. Ça veut dire qu'ils considèrent que c'est un bon jambon. Et pourtant, ils nous ont pas dit sans nitrite, contrairement à Fleury Michon. Alors, Fleury Michon, c'est vert, hein. Il n'y a pas une fois, il y a écrit que c'était bio. C'est la grande arnaque du vert. Le vert, maintenant, c'est l'incarnation du bio. Donc, il y a des gens qui font pas du bio, mais qui mettent du vert pour faire croire aux gens que c'est du bio, mais c'est pas du bio. Par contre, l'allégation de Fleury Michon, c'est que c'est 100% d'ingrédients naturels et en gros, zéro nitrite. Les nitrites sont souvent utilisés en charcuterie pour deux raisons. La première raison, c'est la conservation. Ça veut dire que ça évite un certain nombre de maladies, botulisme, la listériose, les salmonelloses. Donc c'est quand même plus prudent en ce qui concerne la charcuterie. Et la deuxième raison, c'est pour la coloration du produit. Ça veut dire que nous, on apprécie d'avoir une coloration rosée pour le jambon. Je ne sais pas de quand ça existe, mais ce n'est pas la couleur du jambon si on le préparait à la maison. On a décidé de limiter l'exposition aux nitrites pour les humains, parce qu'il y a une vraie relation entre les nitrites, la consommation de nitrites et les risques de maladies, et en particulier le cancer. Sauf que, 4% de ce que nous avalons en nitrites provient de notre alimentation sous forme de charcuterie. Le reste, pour les deux tiers, ça provient des végétaux, parce qu'en fait, on trouve des nitrates et des nitrites dans les sols, et pour le reste, c'est l'eau. Donc ça veut dire que limiter les nitrites dans la consommation de charcuterie, au travers de la consommation de charcuterie, ça reste quand même épiphénoménal par rapport à la consommation de nitrite qu'on doit pouvoir obtenir pour limiter la quantité de nitrite qu'on va trouver dans les sols et dans l'eau. Et c'est ça le phénomène intéressant, et c'est en partie une des raisons pour lesquelles l'écologie peut nous intéresser. Donc si vous voulez, les gens qui mettent sans nitrite dans un jambon, ils surfent sur quelque chose qui a fait le buzz. Ça veut dire qu'on a parlé du nitrite et de la charcuterie. Personne n'a été raconté dans les médias. C'était sympa de baver sur la charcuterie, mais personne n'a été raconté dans les médias que deux tiers de notre exposition au nitrite provenait des sols et que un tiers, le reste, à part les 4% de la charcuterie, provenait de l'eau que nous consommons. Donc ce sont des arguments marketing. La consommation de nitrite aujourd'hui dans l'alimentation humaine, à 99%, elle ne pose pas de problème en relation avec les maladies. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer les choses pour les sols et pour la flotte. Mais ça veut dire qu'à 99%, il n'y a pas d'humains qui consomment suffisamment de nitrite pour qu'on atteigne ce qu'on appelle les doses journalières autorisées. Si je regarde le reste de ce produit, alors la couleur est dégueulasse. Enfin, elle n'est pas dégueulasse. C'est la couleur originale du produit. Mais par rapport à ce que nous avons l'habitude de consommer, le fait de ne plus mettre de conservateur, ça donne au jambon cette couleur de chair morte qui finalement peut inciter à devenir végétarien. Je regarde la composition du produit, finalement comme l'autre, 116 calories pour 100 grammes, avec 2,8 grammes de matière grasse, protéines 22 grammes, donc
même composition que l'autre. Troisième catégorie de produits, le jambon Hertal, le bon Paris. Alors ça, c'est une appellation. Ça veut dire quand on dit Paris, c'est du jambon à la parisienne. Là encore, conservation sans nitrite, grâce aux extraits végétaux et aux antioxydants. Alors on a découvert qu'on n'était pas obligé finalement d'utiliser les nitrites pour améliorer la conservation de la charcuterie. Et donc, ils ont remplacé les nitrites par un autre produit, c'est-à-dire des extraits végétaux et des antioxydants. Ce qui me fait rigoler dans l'histoire, c'est qu'à l'instant, je viens de vous expliquer que dans les végétaux, c'était là où on avait 2/3 de notre exposition aux nitrites. Donc, je ne veux pas dire que c'est un mauvais produit, mais je veux dire que ça me fait rigoler. Quand vous remplacez un produit par un autre pour provoquer de la conservation, sans savoir ce que l'autre produit va susciter, on ne sait pas si on est dans le jus ou si on n'est pas dans le jus. En termes de composition nutritionnelle, 22% de protéines, 116, 113 calories pour 100 grammes, c'est exactement la valeur nutritionnelle. Un mot pour vous dire quand même que le jambon est classé dans la catégorie des viandes rouges. Ça veut dire que quand vous consommez de la charcuterie, si vous observez la règle qui dit qu'on ne doit pas manger plus de 500 grammes de viande rouge dans la semaine, vous devez incorporer également le jambon à l'intérieur. Je ne développe pas le sujet, mais c'est ça. Depuis l'histoire du jambon, qu'on a accusé d'être gras à 3% de matière grasse, 3% de matière grasse. Retenez dans la tête que les fromages, c'est 21% de matière grasse, c'est la nouvelle appellation, que le Nutella, c'est 39% de matière grasse, que le foie gras, c'est 40% de matière grasse. Donc, on a fait du jambon de dinde. Autant on peut découper des tranches de jambon dans une cuisse de porc, autant couper dans une cuisse de dinde des tranches de jambon, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est de la chair de dinde qui a été retransformée et qui a été transformée en allure de tranches de jambon. Si je regarde la composition du produit, alors, on va être un tout petit peu mieux, c'est-à-dire 106 calories pour 100 grammes, mais franchement, la différence, c'est que dalle. On est en matière grasse 1,6 g. On a un petit peu de glucides à l'intérieur. Dans tous les jambons, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est parce que à l'intérieur du produit, en général, on trouve toujours un liquide pour la conservation. Et dans ce liquide, on trouve toujours un peu de dextrose, c'est-à-dire un peu de sucre. Mais les teneurs en sucre sont tellement faibles que vraiment, pour une fois, j'en tiens pas compte. Dans la même catégorie, j'ai acheté un produit de distributeur, hein, Eco Plus, ça vaut le coup quand même. On a le jambon de volaille. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Ben non, c'est de la cuisse de volaille qui a été transformée, sauf que le jambon de poulet, en fait, il est encore un peu moins riche que les autres parce que autant la cuisse de dinde, il y a un peu de matière grasse à l'intérieur, autant pour le jambon de poulet, en général, ils prennent des blancs de poulet ou de la chair de poulet, le minerai de poulet. Donc, il y a très peu de matière grasse. On est à 90 calories pour 100 grammes, 1,4 g de matière grasse. On a un petit peu moins de protéines, 19 g de protéines. Alors maintenant, ils utilisent de l'extrait d'acérola pour la conservation. C'est de la vitamine C, en fait, l'extrait d'acérola. Et le dextrose qui est le sucre dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup de gens me questionnent sur le jambon fumé. Est-ce qu'on a le droit de prendre du jambon fumé? Quelle est la différence entre le jambon fumé et les autres jambons? On l'a saumuré un tout petit peu plus longtemps, donc on l'a déshydraté et ensuite on l'a laissé fumer, soit de façon industrielle, soit de façon artisanale, et on a un produit qui a un goût fumé et qui est légèrement plus sec que les autres. Donc la valeur calorique pour 100 grammes, elle sera forcément plus élevée. En matière grasse, 12 grammes, c'est lié au fait que dans ce jambon fumé, on a un pourcentage de graisse, la graisse ne fond pas. Quand on la sèche, donc la graisse elle reste telle qu'elle est, mais on ne peut pas enlever la graisse de l'eau, puisqu'il n'y a pas d'eau dans la graisse, donc on a un peu plus de matière grasse, on est à 12 grammes de matière grasse, on est en protéines à 25 grammes, donc c'est un produit beaucoup plus protéiné parce qu'on a retiré l'eau, donc ça renforce la concentration de protéines, la densité est différente, et en valeur calorique on est à 211 calories, ça veut dire que quand on prend du jambon fumé, on est censé en prendre environ 2 fois moins que du jambon blanc, mais c'est pas complètement interdit. La vraie problématique du jambon fumé, c'est que comme il a été saumuré beaucoup plus longtemps, il est beaucoup plus riche en sel. C'est grâce à ça qu'on a pu déshydrater le jambon. Donc la teneur en sel est de 3,7 grammes. À titre de comparaison, la teneur en sel des autres, c'est la même partout, elle est de 1,8 g, donc c'est quasiment le double. Et dans celui-là, elle était de 1,4 g. Voilà, ceux qui font attention à leur consommation de sel, peut-être que plutôt que prendre du jambon sans sel, ils peuvent prendre moins de jambon fumé, ça reviendra strictement au même. Donc c'est le seul produit à contrôler, en tout cas quand il y a une surveillance à observer sur le sel. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Mon goût à moi, personnellement, il va sur le jambon artisanal. Parce que le jambon artisanal, il a été préparé, il a un goût différent, il n'a pas un goût industriel. Il est moins conservé que ce type de produit, puisqu'en général, la conservation est beaucoup plus courte. On ne met pas de dextrose, on ne met pas de colorant, on ne met pas, etc. On vous a montré la coloration des jambons. Vous allez voir, c'est une vraie surprise. C'est un peu notre faute, ça, parce qu'on aime prendre des aliments qui ont l'aspect de ce qu'on croit qu'ils doivent être, mais ce n'est pas toujours le vrai aspect. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous me faites des réflexions si vous avez besoin et vous me suggérez d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt, les amis !